Importe le métrage, pourvu que le cinéma soit grand. La preuve avec Libre Cours, tout de suite sur France 3. Un de nos agents s'est fait descendre à Zurich par deux hommes. Nous voulons que vous sanctionniez ces hommes. Vous êtes le seul qui puisse accomplir cette mission. Élimination, sanction. C'est ce que vous faites le mieux. La cible est désignée. Henri Bach était mon ami. Je sais. Il m'a sauvé la vie. Je sais. Réussissez votre dernière mission. Il reste à punir. Pas de négociation possible pour l'agent Eastwood. La sanction, jeudi à 20h55 sur France 3. Rencontre qualité, découvrez la Toyota Yaris Linea Techno climatisée à partir de 10 990 euros seulement. Découvrez le nouveau Febreze Action anti-allergène et ses effets sur la bonne humeur. Il réduit jusqu'à 75% des allergènes aériens provenant des tissus et élimine les odeurs. Nouveau Febreze Action anti-allergène, une idée bien fraîche. Nouveau, Bio crée un délicieux bio aux extraits de soja. Pour vous sentir bien là aussi, essayez le nouveau bio aux extraits de soja. C'est étonnant. Délicieux. Des extraits de soja dans un délicieux bio au Bifidus Actif. Nouveau, bio aux extraits de soja. Et si vous n'êtes pas séduit, en ce moment, Bio vous rembourse. Redécouvrez la richesse des figues dans Figolu. Figolu, le biscuit riche en figues. La révolution arrive. Le premier 4 en 1 au monde. Calgonic Powerball 4 en 1. Fonction sel, lavage, rinçage et maintenant une action protecteur contre la corrosion des verres. Le tout dans une seule tablette. Nous avons lavé deux verres. De multiples lavages avec un 3 en 1 classique provoquent la corrosion du verre qui devient terne. Le nouveau Calgonic Powerball 4 en 1, grâce à l'action protecteur, protège mieux. Les verres gardent plus longtemps leur aspect neuf. Nouveau Calgonic Powerball 4 en 1, longue vie à votre vaisselle. Chewing-gum Mentos Ice, fraîcheur givrée. Des problèmes de résidus graisseux, couches de gras, huile brûlée, saleté poisseuse, adieu la graisse avec le nouveau Silit Bang dégraissant surpuissant. Regardez cette vieille huile visqueuse, Silit Bang dégraissant la fait déquerpir instantanément. Même efficacité sur ces résidus graisseux, cette couche de gras noirâtre. Et pareil pour cette huile brûlée. Prenez ce miroir dégoûtant. Silit Bang dégraissant lui redonne tout son éclat en un seul geste. Silit Bang, dites adieu à la saleté. Volvic vous transmet toute la force des volcans. Volvic créé par les volcans. Découvrez en famille Volvic Fontaine 8 litres. En ce moment à 1 euro. C'est Volvic qui rembourse la différence. Alors ? Gris métallisé. C'est pas vrai. Fais tout comme moi. Pendant les très très bonnes affaires, profitez-vous aussi de 1400 euros d'économie sur la gamme 206. Votre cœur bat pour les Jeux, déclarez-le. Paris 2012, pour l'amour des Jeux, ça va être la fête. Nous irons aux Olympiques de 2012, ici à Paris. Faites ma paupière, ça va y aller.
Je t'aime Paris. Paris 2012. L'amour des jeux. Pour l'amour des jeux. J'aime toutes les villes, mais un peu plus Paris. T'as les thunes ? J'ai pas la thune, j'ai mieux. Et y a quoi de mieux que la thune ? Un violon. C'est un très vieux violon, la grande classe, noir. On en fait plus des comme ça. On m'a dit qu'on pouvait se fier à vous. Faut que je fasse le tour de mes connaissances. Moi, j'achète pas si je peux pas vendre. Un trésor dérobé par un proche. J'aurais jamais cru qu'il puisse en arriver là. Quand j'ai découvert la vitrine vide, j'en croyais pas mes yeux. Je peux pas dénoncer mon frère à la police. Mais dans quelle histoire il est encore allé se fourrer ? L'important pour le moment, c'est qu'on s'en prenne pas à vous, ni à votre nièce. Je vous ai vu jouer sur ce violon. Je vais pas permettre à n'importe qui de s'en servir comme d'un vulgaire instrument. Trafic d'art et de sentiments. Victor Lanoux vient au secours d'une virtuose du violon. Demain, à 20h55 sur France 3. Il y a loin le village. Le village. Là-bas, les cases, le fleuve, les barcasses. Il n'y a plus rien chez nous, là-bas. Il faut s'en aller. D'ailleurs, ceux qui s'en sont allés et puis revenus, ils le disent. Et il y a toi. Avec tout ça dans ta tête, ça te tourne. Ici, là, il y a des ronces, de la broussaille toute sèche, des chèvres et des poissons. Tout ce poisson qui remonte le cours du fleuve. Toi aussi, tu peux le prendre, le bateau. Et tu le sais bien que c'est à fond de cale. Avec tout ce bric-à-brac enchevêtré et les matelots venus d'une terre plus loin encore qui parlent une langue à eux. Et ils t'envoient à l'eau, si le commandant le dit. Clandestin. Des hommes qui déchargent et rechargent. Mais toi, tu traînes pas là. Tu attends la nuit et tu te lances. Ils l'ont dit, ceux qui s'en sont allés. C'est ta chance.
as les noms écrits sur les bouts de papier pour savoir où tu vas aller. Les lettres, tu les reconnais. Il y a les villes, toutes ces villes, là où les lettres te le disent. Et avec ça, un travail. Ton travail. Du travail dur, tu ne dis rien. Et ça, personne ne peut travailler comme toi. Personne. 2 ans à se les retrousser, ces manches. Et l'argent, tu l'as. Tu rentres, tu y es allé, là-bas. Les autres, ils te regardent et ils savent que tu y es allé, que tu reviens maintenant. Tu as des chaussures, des vrais, et aussi peut-être le poste de télévision avec l'antenne et les chemises coupées comme il faut. Juste, tu essaies de pas en faire d'histoire. Avec juste là que ça te cogne. Juste ce corps. Là, que ça te cogne. Ici. Maintenant. Et que possiblement, tu crèves. Un cliquetis dans ta cervelle. Quelque chose qui se débobine, se termine mal. Que ça se termine mal. Ça. Juste ça. Que la vieille mère, là-bas, elle ne verra rien de ça. Elle dira juste que la mauvaise chance, elle s'en est mêlée. Que sur la terre des Blancs, il n'y a rien à attendre. Juste ça. Et que, qu'est-ce que tu peux? Tu peux que c'est comme ça. Comme pareil à tout. Avec la lumière en moi. Juste que tu comprends plus rien. Là. Pas là. Là-bas.
le pays, la terre, le fleuve tourne dans ta tête. Juste se rappeler. Vieille mère. Elle parle. Je crois que tu dois y aller si c'est ton rêve. Si tu ne vis plus sans. C'est bien. Je crois que tu vas réussir. If it's your dream, Mama said, in the land where you'll be better free. Mama said, where you go, I'll be. Mama said, remember, I love you tenderly. Love is worth growing. Mama said many people need you to believe. Mama said in the war that's worth it. Mama said take up the fight till you set them free. Mama said you may cry when you understand. And a warm in the blue sky and a rainbow at hand. Mama said you'll have to love and give and please. Mama said don't forget ashes to ashes. Longtemps je l'ai attendu. C'est idiot. C'est vain et idiot. Même quand on sait qu'il n'y a plus d'espoir, on garde un doute au fond de soi. Et c'est ce doute qui rend l'oubli impossible. Ça faisait 5 ans que Manon avait disparu. Ça faisait 5 ans que la police avait arrêté de la chercher. Et moi aussi, j'aurais dû arrêter de l'attendre. L'attendre, ça rend fou. Est-ce qu'on l'a enlevée, tuée ? Est-elle juste partie ? Est-elle morte ? Vivante. Personne ne sait. Et personne ne saura jamais. Elle a disparu. Et depuis lors, c'est devenu une morte vivante. Et moi avec. Ce jour-là, j'avais foutu notre vie à la poubelle. J'avais décidé qu'elle était morte une bonne fois pour toutes. Il le fallait. Sinon, c'est moi qui allais crever. Et c'est alors que Manon est réapparue.
Karine. Laissez un message. Vous avez eu 0 message. Ah non, vous devez faire erreur. Je vous en prie.
je vous dis lundi, ça ira? Parfait. Parfait. 9h? Très bien. Ok. Ouais, 9h. Mmh. Alors je note. À lundi, monsieur Vasseur. Au revoir, merci. Merci. Je reviendrai, merci. Bon, vous bougez pas. Je vais vous chercher ma carte. Vous aurez les horaires d'ouverture et puis mes numéros aussi. D'accord. Dans l'appartement, j'avais tout repeint, tout lavé. J'avais presque tout fait disparaître d'elle ce jour-là. Le jour où j'avais décrété sa mort. Quelques photos, quelques vêtements encore dans un placard, voilà tout. Ces choses trop charnelles pour être jetables. Tous les meubles qu'elle aimait étaient là, dans la boutique, prêts à être vendus. Le lit et le scriban dans lequel j'ai fait graver son nom. Ici, elle s'occupait des petits objets. Les poupées, les vases. Mais maintenant qu'elle était revenue, je ne pouvais pas retourner à l'appartement. Chez nous, c'était devenu chez moi. Là-bas, elle n'existait plus. Tout d'elle était ici. Du feu, s'il vous plaît. Merci. Ah.
Vous venez souvent ici ? Tous les jours. Moi aussi. Merci, hein. Monsieur. Monsieur, je peux avoir un renseignement, s'il vous plaît. C'est pas à vendre, ça, monsieur. Pardon ? C'est pas à vendre. On n'est pas dans un magasin ? Si, si, là, on est dans un magasin, mais ça, c'est pas à vendre. Et de ce côté-là ? C'est privé. Bon, très bien. Vous habitez là ? Non. Non, non, mais... Enfin, j'ai pensé qu'on serait mieux ici. Tu sais qu'on peut se tutoyer ? Ah. Oui, bien sûr. Je prends ton manteau ? Non, je préfère le garder. J'ai un peu froid. Comment on vient en tout cas ? Ben d'abord, il faut aimer les matériaux. Moi, c'est le bois. J'aime le bois. Il vit. Oui, il respire, il travaille, il a sa chaleur. Il brûle par le dedans. C'est comme si il emprisonnait le temps dans ses fibres, comme s'il conjurait le temps. Et ben, c'est comme un objet ancien. Un objet ancien, ça conjure le temps. Alors bien sûr, tu as l'obsession de la date, de l'origine, de l'auteur, de sa signature. Tiens, s'il a appartenu à quelqu'un de célèbre, par exemple, ben ça lui donne de la valeur. Et puis tu as la force de l'imaginaire. Tiens, regarde ce petit secrétaire. Il a des tiroirs avec des boules de fond, il y a des cachettes comme ça, en trompe-l'œil. Son époque, il n'y avait pas de coffre-fort. Et ben moi, je ne pensais qu'une princesse y cachait ses bijoux. Et ses lettres d'amour ? Ouais. Enfin, c'est des secrets, en tout cas. Pour chaque meuble, on peut inventer une légende. À chaque meuble, on peut prêter des milliers de vies. Des milliers d'amour.
de crimes, de disparitions. C'est comme vivre dans une maison hantée, non? On a tous des fantômes, c'est comme ça. Ça, c'est magnifique, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un scribant. Tu as faim? Non, pas vraiment. On va manger quand même. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Chinois, japonais, italien? Je sais pas. Italien? Italien, ouais. Bon, je vais t'abandonner 5 minutes. Fais comme chez toi. Ce qui m'a pris. C'est fini. On va manger. Non, je vais y aller. Désolée. Pardon. Thank you.
Monsieur. Monsieur, je peux avoir un renseignement, s'il vous plaît? Je savais que cette fois-ci, elle ne reviendrait pas. Elle était juste venue me dire au revoir, réparer cet adieu dont on avait été privé. Et maintenant, je suis prêt. Prêt à éparpiller Manon. Prêt à recommencer à vivre. Si, si, je t'assure. Je suis auteur de cinéma. Mon nom? Mon nom? Brian. Ouais, Brian. Ouais, je sais. Ça fait un peu anglo-saxon. Ouais, je suis auteur de cinéma. Tu me crois pas? Non. Je vois bien que tu me crois pas. C'est fou qu'on se croise dans la rue comme ça. Tu vois? Je te vois là. Et je me dis, putain, c'est elle. C'est la fille de mon rêve. Tu comprends ce que je te dis? Je t'ai vu dans mon rêve. Dingue. Dingue, ça. Moi, je trouve ça dingue. Tu trouves ça dingue? Alors, pour moi, c'est un signe. Tu vois? Un signe. Je rêve de toi, et je te croise le lendemain. Moi, je trouve ça dingue. Merci Ludo, tu mets ça sur mon compte.
Ouais, dis donc, t'es pas bavarde, toi, quand même, hein? T'es timide? Ouais, c'est ça. T'es timide. Tu veux que je te raconte? Ouais. Eh ouais, c'est normal que je te raconte. Tu fais partie de mon rêve. Putain. La même. Attends, bonne gorgée. Ce que je te raconte, ben c'est mon rêve de cette nuit. Ce genre de rêve, enfin, pour moi qui écris des scénarios, tu peux pas t'empêcher de te lever pour aller prendre des notes. Ça commençait comme ça. Il faisait super beau. Il y avait deux personnes qui s'appelaient Anne et Pierre. Deux amants. Ils se voient en secret dans les calanques. C'est pas toi, Anne. Toi, t'as un autre rôle. Tu interviens plus tard. Tu veux du camembert, Pierre? Ok, je te le concède. Ils sont un peu mièvres, les dialogues que je te cite. Mais bon, tu sais ce que c'est que les rêves. C'est toujours un peu bizarre. Au réveil, tu te sens toujours un peu con d'avoir peur ou d'avoir pleuré parce que, quand tu le racontes après, ça n'a jamais l'air formidable. Non merci, Anne. J'aime qu'on se retrouve comme ça dans les calanques. À l'abri du monde, à l'abri du regard des autres. Ici, personne ne peut le trahir. C'est vrai, c'est plus discret que ce vieux port, tout le monde nous connaît. J'ai pas encore tout écrit sur papier. Alors je te dis ce qui me passe par la tête.